Yeah. Voilà, monsieur Robert Cotin avec le beau drapeau du club organisateur Saint-Jean Vélo Club Montélimar. Attention, 5 secondes. Départ de l'exemple à l'instant par monsieur le maire de Couillasse. Pourquoi ils sont si nombreux ici à Grouillage, Bernard Benoît, peut-être la solution, c'est vrai qu'une épreuve ancienne comme ça. Voilà, on va retrouver donc, voilà, c'est parti, donc avec les gars du Saint-James qui mettent le feu maintenant avec la première attaque, signé Stelio Julien. Parlez des juniors, s'en est un, junior du Saint-James, met le feu aux poudres. Et donc le premier coureur à se porter à l'avant. Vêtements de Bordeaux, donc emmené par on a effectivement le Saint-James également présent. Là, on a également... De la 5e ou 6e place, de votre région, voilà, c'est Gilles Larobert, c'est le panier de l'église. Il y a un peloton à Rodrigue de la région, avec très vite, l'accélération effectivement des hommes de tête a vraiment fait quelques dégâts. Oh, il est de ce côté. Allez,
problème, solution, vitrage de protection incendie qui est ouvert par terrain également du champion de le club Montélimar. On fait immédiatement le côté du club. On va faire le plan donc sur le placement pour faire le plan ici avec la vidéo de sur trois coureurs dans deux tours, c'est-à-dire 6600 mètres.
pas, tout le monde a intérêt de collaborer. On ne comprendrait pas effectivement que des coureurs ne collaborent pas, tout le monde va donner le maximum pour ses unitaires. On va ensuite de jouer tactiquement, mais là, vraiment tout le monde doit faire le maximum. On a donc ces groupes qui n'ont pas les équipes. Regardez le travail de l'équipe de Romand qui s'est placée en tête de la course. Toute la formation de Romand est là pour protéger l'empereur de l'Amérique. C'est Maël Jacamet qui est à l'avant, c'est leur leader. L'équipe de Romand a fermé à 7 lancers le peloton. Et donc, Romain maîtrise parfaitement donc, le peloton qui a permis donc, à l'échappée de prendre une avance qui est certainement supérieure aux 20 secondes. 29 secondes. Parfois, un grand prime. Est-ce que Pierre va aller chercher une nouvelle victoire? Eh bien, je crois que c'est effectivement un nouveau succès. 4 sur 4. Il est le plus rapide du groupe, incontestablement. Voilà donc, le groupe était passé avec 1 minute. Un vaincu dans les sprints. Est-ce qu'il va s'imposer aussi facilement tout à l'heure? Au sprint d'arrivée, si ça arrive au sprint. Aujourd'hui, Paul Arénon. Voilà l'ancien champion de France sur piste en première position. L'ancien vainqueur du détail sur le Tour des Régions Wallonnes, l'écart. 1 minute et 4 secondes. Donc, Nicolas Renaud et tous les coureurs du passé, coureurs, si vous avez l'un des vôtres dedans, c'est le moment. Teddy Rask, très actif dans ce groupe. Voilà, c'est le relais maintenant. Il reste 7 tours, 1 minute et 4 secondes. Au tour précédent, 1-0-4. Donc, ce groupe. En 3 pas, 15, 10 et 5. 15, 10 et 5. Avec le premier grand frère. Nicolas Renaud. Il reste 7 tours. Et on se retrouve donc en tant que frère. 52 secondes. 56 points. Demeure entier à 7 tours de la ligne. Voilà, moins de 25 km encore à parcourir. Voilà, je vous rappelle que si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à la municipalité de Cluas qui s'est associée donc avec le Saint-Jacques et le club de Montélimar pour cette 66e édition du Grand Prix de la municipalité donc, de Cluas. Oui, ben c'est si dur. Là, vraiment, les choses sérieuses vont commencer. On va rentrer dans les 20 derniers kilomètres. 15 août, donc en semi nocturne. On retrouve donc le groupe de tête. 58 secondes. L'écart s'était réduit donc, le tour précédent. Le peloton semble effectivement réagir quelque peu. On est passé à 58 secondes. 58 secondes. C'est le passage précédent sur un peloton toujours groupé. Voilà, 15, 10 et 5, un magnifique sprint à 3 maintenant qui semble se dégager. Qui s'est donc réduit à 46 secondes, c'est-à-dire que voilà deux tours que le peloton se rapproche, il fait ici, il fait 2 secondes, 46 secondes d'avance au tour précédent pour le groupe de tête avec Alexandre Benoît, donc en première position. Voilà comment on était lancé. Et donc les regards sont tournés maintenant du côté
de l'entrée de la ligne droite avec le peloton, peut-être quelques coureurs qui sortent du peloton. Effectivement, on a bien compris que dans ce peloton, il fallait en sortir. Et voilà des coureurs qui attaquent, l'écart se réduit peut-être, on va le savoir au passage sur la ligne. 44 secondes, effectivement, on a bien longtemps que l'écart ne s'est pas échangé au-dessus de 45 secondes. La course est pas visible, qui peut arriver dans ce final. Plus montagneuse qu'aujourd'hui, croyez-moi. On connaît également Peggy Rastre, et petite croix de vitesse junior. On connaît ses qualités en cyclocross. On a vu également Steve Kerrien, très performant, que prendre. Voici notre groupe de tête. On s'entend les mains, mesdames, messieurs. C'est échappé à 4 tours de l'arrivée. 44 secondes d'avance. Le peloton vous reprend donc tout à 3 secondes. À chaque tour, et là, il reste 4 tours. Ça va le faire. À condition de bien tour. Le peloton s'est arrêté alors que le peloton était revenu à 44 secondes. Allez. 1-0-3, 1 minute et 3 secondes. On attaque, le cercle sera quand même. Vous avez 1-0-4 d'avance. La course va se jouer entre vous deux. 1-0-4 avec un peloton. À 3 tours de l'arrivée, ils vont pouvoir se bagarrer. Donc, on va passer 37. 3 tours avec un retard qui avoisine la minute toujours. Florian Yolande de se laisser décrocher et de plus repasser avec le groupe qui s'appelait donc à l'ordre du jury des arbitres. C'est vrai qu'il a été, on va dire, toléré, accepté avec son tour de retard dans le groupe de jeunes. Mais là, deux tours de l'arrivée, il doit être. Dans deux tours, vous jouez donc la 10e place. À quoi c'est Sandy, hein, c'est Sandy du jardin là, qui vient de mettre le verre à fenêtre. Avec le verre de l'arrivée, il va aller. C'est bien.
Il a gagné la finale du Challenge National de Cyclocross à Pontchâteau. Il est terminé deuxième du classement final du Challenge. Deux coureurs ce sont les juniors, double champion Rhône-Alpes, Olympia Mirasque, remporte le trophée. Les juniors, double champion Rhône-Alpes, Olympia Mirasque.